Bon, Hervé, ça y est, on y est presque, hein. On est dans cette dernière semaine avant la reprise du championnat, premier match samedi. Avant d'évoquer ce rendez-vous à Lorient, voilà, comment s'est passé globalement ce gros mois de préparation? C'est sûr, on a bien bossé, on a fait des séances, deux, trois séances par jour. On a eu une charge athlétique assez importante. Et puis sur cette semaine, on peaufine un peu les derniers détails, même si on ne sera pas complètement à 100%, mais je pense qu'on a très bien travaillé et qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir faire de belles choses. Ça fait du bien de revenir sur un programme de semaine de match et de quitter ces jours à plusieurs séances, plusieurs fois dans la semaine. C'est sûr qu'on était impatients d'arriver à ce jour J qui va arriver très prochainement. Et oui, repasser à des semaines un peu plus traditionnelles, c'est plus, on va dire, on est plus habitué à ce genre de semaines et on a plus nos repères et on prépare mieux notre semaine pour pouvoir être optimum pour le week-end. Bon, un mois que tu es arrivé au Havre, parce que ça y est, tu as pris tes marques dans ce groupe, tes marques dans la ville. Ouais, non, après ça s'est fait assez facilement parce que les mecs ont été super cool. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et puis moi j'ai fait la démarche aussi d'aller vers eux pour les apprendre à les connaître. Il y a encore à faire, mais c'est vrai que les mecs ont été super et ils ont facilité mon intégration et l'intégration de tous ceux qui sont arrivés. Sur un plan humain, on a bien compris, c'est un bon groupe. Voilà, sur le plan tactique, technique, voilà comment tu juges ce groupe que tu as appris à connaître durant ce mois. Ouais, j'ai appris à le connaître durant ce mois. Après, c'est vrai que je les ai suivis un peu la saison dernière. Après, je connais un peu la philosophie du coach et voilà, ça s'est ressenti encore dans son équipe de cette année et de la saison précédente. Donc ouais, c'est vrai que tactiquement, techniquement, l'équipe et la philosophie de jeu est présente dans chaque séance. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir m'inscrire dans ce projet. Un dernier mot, pardon, sur cette préparation. Voilà, il y a eu 5 matchs. Un premier match contre Cholet, voilà, perdu 2-1. C'était des grosses rotations, 2 équipes, une par mi-temps. Mais au fil des matchs, ça s'est un petit peu affiné. On s'aperçoit que le HAC, on a l'impression qu'il y a cette tendance, comme la saison dernière, d'avoir une défense solide, pas de but pris lors des 4 matchs suivants. Ça, c'est déjà un premier point positif, semble-t-il, de cette prépa. C'est sûr, c'est sûr. Après, on sait que pour monter, pour pouvoir faire quelque chose dans ce championnat, pour pouvoir exister dans ce championnat, il faut avoir une base défensive très solide. Aujourd'hui, on l'a. Après, c'est le travail de tout un secteur offensif et défensif. C'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur cette défense parce qu'elle reste imperméable. Et c'est vrai que pour nous, joueurs offensifs, c'est un soulagement. C'est un soulagement. On sait qu'on a une base solide derrière et ça nous laisse plus de possibilités de faire des différences devant. Ça, psychologiquement, pour le joueur offensif que tu es, c'est la base, effectivement. Ouais, c'est sûr de savoir que derrière t'es costaud, ça nous permet devant nous déjà d'être un peu plus serein parce qu'on sait qu'on a de quoi voir venir. Et puis devant, on se dit que si on arrive à faire mouche, on sait qu'on pourra tenir un résultat et pouvoir jouer plus sereinement. Dans 3 jours, premier rendez-vous samedi à Lorient. Voilà, on imagine qu'il y a des fourmis dans les jambes, hâte d'y être enfin dans ce championnat. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est une date que j'avais cochée très rapidement parce que quand le calendrier est tombé, je me suis dit qu'on allait partir à Lorient contre une grosse équipe. Bah, je pense que c'est un moyen de montrer nos ambitions dans ce championnat. C'est un moyen de. Bon, je pense que les deux équipes ne seront pas encore à 100% de leur capacité, mais je pense que ce sera deux styles de jeu différents et ce sera un plaisir à jouer et en espérant revenir avec quelques points. Ouais, Lorient, ça commence déjà par a priori un gros morceau de ce championnat. C'est bien peut-être de tout de suite se projeter contre un gros tout de suite. Alors on va savoir où en est ce hack version 2018-2019. Oui, c'est sûr. Après, on va pas tirer des conclusions hâtives déjà sur ce premier match. Mais c'est vrai que jouer contre une équipe qui a une philosophie de jeu, voilà, qui aujourd'hui on sait que c'est Lorient, ça parle à tout le monde, c'est une grosse équipe, bah, de nous confronter à ce genre de confrontation, ça va que nous faire du bien, ça va nous faire progresser, ça va nous faire avancer dans ce que l'on veut faire. Et puis
Et puis on veut aussi imposer ce que l'on est, notre équipe, et gagner.